Petit départ de début. On est entre où, hein? Ça va? Ouais. Moi aussi. Quoique. Non, ça va pas très bien en fait. Faut que je vous donne un petit truc. C'est qu'en ce moment, en fait, je suis super énervé parce qu'il y a plein de choses qui m'énervent dans la vie. Je sais pas vous, mais moi ça me saoule. Je vous jure que c'est vrai. Par exemple, moi j'aimerais bien ne plus être un menteur. Tu sais, j'aimerais bien être honnête toute ma vie, tu sais. Dire tout ce que je pense à tout le monde. Ah, ce serait vachement bien. Bon, ça foutrait la merde aussi, mais ce serait vachement bien, non? Tu sais, j'aimerais bien arriver au boulot, tu sais, le matin, et quand je verrai la sale gueule de mon patron, et quand il me demandera comment je vais, je lui dirai non, ça va pas. Tous les jours, je vois ta sale gueule de métèque, de chien errant et de pauvre mec. Tous les jours, t'as une haleine à tuer la couche d'ozone parce qu'en plus, j'ai envie de te vomir à la gueule. Alors dégage de mon espace vital, sinon je te vomis dessus, connard. Bon, bien évidemment, en plus, je lui mettrai une petite droite dans la gueule. Et en plus, je lui souhaiterais de passer une excellente journée, patron. Ah, je me jure, ça ferait du bien. Tu sais, j'aime pas aussi, tu sais, tous ces collègues, quand t'arrives le lundi matin, et tu sais, que tu leur demandes comment ça va, et ils te répondent, bah comme un lundi. Cette réponse, elle est comme eux, elle est moche. Et tu sais, j'aime pas aussi tous ces gens, quand tu leur demandes quoi de neuf, ils te répondent, la moitié de 18. J'en étais pas fou. Et du coup, tu sais, maintenant, quand toutes ces personnes, en fait, elles me demandent comment je vais, je réponds, la moitié de 18. Et quand ils me demandent quoi de neuf, je leur réponds, mon slip. Tu veux le voir? Là, je sais que c'est méchant, je sais que c'est complètement con ce que je dis, mais en même temps je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Et tu sais, j'aime pas aussi un truc, tu sais, c'est quand tu vas en ville, en voiture, et tu t'es là à tourner pendant plus de 30 minutes et tu trouves pas une seule place de parking. Et là tu entends cette petite voix juste à côté de toi qui te dit « Ah mon chéri, tu devrais peut-être prendre un parking payant, si tu perdrais beaucoup moins de temps. » Mais tu viens de le dire toi-même, espèce de connasse, c'est payant. Et j'ai pas envie de payer, parce que la vie actuellement, elle est comme toi, elle me coûte vachement cher. Alors ferme ta gueule. Bon, bien évidemment, je lui réponds pas ça. Je lui dis, bien évidemment, ma chérie, tu as tout à fait raison. Je vais t'obéir, je vais t'écouter, je vais prendre un parking payant. Tout ça pour pouvoir me la tirer dans un sous-sol. Ouais, je sais ce que vous dites, c'est complètement vulgaire ce qu'il vient de dire. Vous avez tout à fait raison, parce que j'aurais préféré qu'on fasse ça à la maison quand même. Non, c'est vrai. Alors, en parlant de parking, moi, il y a un truc que je déteste, tu sais. C'est toutes ces personnes, tu sais, qui viennent sur les places handicapées alors qu'elles ne le sont pas. Ça vous énerve pas, vous? Franchement. Tu sais, moi, du coup, tout à l'heure, il y a un mec, tu sais, qui s'est garé sur une place handicapée avec sa grosse voiture. Et j'ai attendu qu'il sorte tranquillement, tu sais, de sa bagnole. Et là, BAM! Je te l'ai accroché avec la mienne. Ah, du coup, comme ça, je te l'ai rendu honnête, le mec. Hein. Et du coup, tu sais, de l'autre côté de la bagnole, qu'est-ce que je vois sortir sa mère avec des béquilles comme ça? Waouh, mon fils! Ah, mon fils! Ah, mon Dieu, il est mort! Bam! Je te l'ai accroché, la vieille! Du coup, ça fait toujours une retraite en moins payée. Hein. Ah, je vous jure, j'aime pas aussi, tu sais, tous ces gens qui disent du mal sur les Maghrébins. Tu sais, qui disent tout le temps que tous les Arabes, ce sont des terroristes musulmans armés et barbus. Moi, je dis que c'est pas vrai. Faut arrêter de déconner. Parce qu'il y en a qui se rasent de près aussi. Ouais, je vous jure. Hé, hey, Steve Jobs est mort. Vous savez qui c'est Steve Jobs? Hein? L'ancien patron d'Apple, le truc qui a fait l'iPhone, l'iPad et tout ça. Il est mort. Moi, ça me fait marrer. Bah, je veux dire, tu sais, toutes ces personnes qui étaient là en train de pleurer comme des madeleines, et tu sais, ils déposaient des fleurs sur les boutiques Apple comme si c'était une tombe. Je vous jure, moi, ça m'a émouvé. Et du coup, j'ai fait comme eux, en fait, tu vois. Du coup, je suis allé déposer, pareil aussi, un truc. Et moi, c'était la facture d'achat de mon iPhone. Ouais, parce que moi, je peux tuer le jour où j'ai dépensé 300 euros pour acheter mon iPhone. Mais j'ai pleuré, moi aussi. Hein. Mais j'ai aussi déposé, du coup, quand même des fleurs, mais au pied de mon compte en banque. Parce que quand il a vu que j'ai dépensé 300 euros pour m'acheter un iPhone, il a fait une crise cardiaque, le truc. Ah, je vous jure qu'il m'en a voulu. Eh, le bio. C'est pas l'une, après je veux dire, après les politiciens, c'est pas l'une des plus grandes arnaques que l'on connaisse aujourd'hui. Sérieux? Tu sais, le bio, il faut savoir un truc, c'est que dans le bio, ce qui est vraiment vrai, c'est le prix.
Hein, je vous jure, là, on vous ment pas. Là, c'est la vraie appellation AB. Arnaque biologique. Hein, je vous jure, moi, je suis allé dans une étale, enfin, sur le marché l'autre jour, sur un rayon fruits et légumes, et le mec, il était là avec ses oranges et ses clémentines, il était là, oui, monsieur, mes clémentines et mes oranges sont 100% bio, sans pesticides et 100% françaises. Comment ? Marrakech ? Ah bah, c'est à côté de Dunkerque, pourquoi vous avez... Il a essayé de m'arnaquer, le type. Il y a un truc vraiment, par contre, que j'aime pas du tout. C'est toutes ces personnes qui se foutent de ta gueule, mais sur ton physique. Ah, j'aime pas ça. C'est par exemple, moi, quand je fais la bise à quelqu'un, j'ai souvent droit à... Tronc, excuse-moi. Excuse-moi, j'arrive pas du tout à faire le tour de ton corps. T'aurais pas un GPS pour que je trouve l'autre joue ? J'aime pas. Et aussi, tu sais, toutes ces personnes qui me disent tout le temps, dis donc, tu as un vrai... Mais alors, c'est magnifique, hein, tu as un vrai corps de lutteur. Lutteur sumo. Ou alors j'ai droit, ça vraiment j'aime pas du tout. C'est, dis-moi juste entre nous comme ça, ça te dirait pas de perdre quelques kilos ? Bah écoute, oui, j'aimerais bien perdre quelques kilos. Mais à partir du moment où toi t'auras acheté un cerveau ? Je vous jure, j'aime pas tous ces gens-là. Mais en réalité, ces gens-là, qu'est-ce que t'aimerais leur dire ? T'aimerais leur dire, mais ferme ta gueule ! Mais ce que je te demande, moi, si t'as décapité ton père, mangé ta mère et violé ta sœur ? Non ! Et bah alors ferme ta gueule ! Et va me chercher un coca ! Et light de préférence ! Et oublie pas ça ! Et passe une bonne journée ! Ah, je vous jure, j'aime pas. Mais en réalité, ces gens-là, tu sais, je pense qu'en fait, elles pensent que tous les défauts, enfin, qu'elles ont, se trouvent chez les autres. C'est vrai. Du coup, je vais donner un petit conseil, entre nous. Assumez-vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous. Parce que je peux vous jurer, sinon, qu'un de ces quatre... Je me ferai un malin plaisir de me foutre de votre gueule. Passez une bonne soirée, merci.